Bonjour les amis, bienvenue sur Oxygen Not Included pour le 12e épisode. Je le tourne quasiment à la suite du précédent. Alors voilà ce que j'ai construit. Donc là, ça émet du gaz, du gaz naturel, voilà. Qui, je l'espère, va pousser l'oxygène pollué. La porte est ouverte. Bon, mais je pense que je vais... Ici, j'ai combien de pression? 2,5 kg. Genre, je vais pas te commencer à fermer la porte là. Et laisser faire à la pompe, casser ces trois morceaux là. Ouais, je vais casser ces morceaux là. D'accord. Ici, ici et là. D'accord. Tant qu'on y est, tant que c'est ouvert, je vais encore laisser ouvert. Le CO2 va descendre, mais bon. Tant pis. On va vite faire un gros nettoyage. En bas, là, ici. Voilà, allez, virez-moi tout ça. Ouais, ils vont y arriver. Il y a encore un morceau qui va tomber, voilà. Allez, s'ils pouvaient tout enlever, ça serait bien. Ah là, ils peuvent plus passer, bien entendu. Je pourrais peut-être même faire monter l'échelle. De toute façon, elle va rester là. À 8. Voilà, je peux faire monter l'échelle jusque là, c'est pas gênant. Et pourquoi pas refaire un morceau d'échelle ici, ouais. Ça permettrait, s'il y a besoin, de passer. Je pourrais faire des tiles perméables au gaz, mais on va laisser comme ça. Allez, ramassez tous les gars, là. Pourquoi vous en avez oublié, là? Allez, on ramasse tout. Encore un morceau, là. 200 kg de minerai de fer. 400 kg de roche magmatique. Voilà, c'est bon. Ils ont tout ramassé. Passe par là, s'il veut. Ok, donc là, ils n'ont plus aucune raison d'y venir. Je vais même fermer en priorité 9. On va même dire lock. Voilà, je veux plus qu'ils passent par là. Et je vais également locker celle-là. Voilà. Ils n'ont pas vraiment de raison d'y venir. Voilà. C'est la nuit. On est au cycle 151. La pompe va petit à petit aspirer tout ça. Est-ce qu'il faudrait pas que je... Là, je suis en surpression. Là, j'y suis aussi. Et au niveau du CO2 en bas... Wow! La glace a fondu. Oh. Il s'arrête de temps en temps, échappement normal. Non, non. La nourriture a détérioré. On a 209 000 à nourriture. Pas mal. Bon, c'est quoi ça? C'est de la glace. Glace, il n'y a pas de glace polluée. Glace, alors pourquoi on a de l'eau polluée ici? Bizarre. Il faudrait quand même que j'éponge un petit peu là. On va faire attention. Quelqu'un va venir là? Allez les gars. C'est bien, je vois que le niveau d'eau polluée remonte. Les appareils à gaz naturel fonctionnent plein pot. Voilà, je vois un courageux qui arrive ici. Allez mon gars. On va... Hop, c'est fini. Bon, j'espère que ça va pas passer en surpression, sinon il me faudra mettre un peu d'eau. Allez, on va laisser comme ça, c'est bien. Au niveau du circuit des gaz. Plein pot, le CO2 arrive plein pot. Je pourrais même faire un quatrième appareil à électricité. Ah ouais, je pourrais même faire un quatrième ici, là. Ok. Je vais peut-être placer une valve. Ah oui, 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 j'ai pensé pas à ça. Il faut que je place une valve quelque part sur le circuit. Où est-ce que je vais la mettre? Là, à côté de l'échelle. Ouais. On va placer une valve à liquide. Pour me permettre éventuellement d'arrêter le niveau de l'eau. Voilà.
Je vais augmenter la priorité, sinon ils ne vont jamais la faire. On va la mettre en 7. Ensuite, je casserai les bouts de tuyaux. Ben, je peux même les casser maintenant. C'est pas très gênant. Ici. Bon, allez, je ne sais pas si j'ai pris les bonnes là, mais on va casser ça. Ça y est. Tuyau à liquide. Alors, en priorité 9 là, parce que il va falloir vite les refaire. Là, il n'y a plus rien qui marche. On rentre là et on sort ici. Ah, mais c'est pas ça. Ah, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. C'est pas là où je voulais le mettre en fait. Ah! Ah, c'est pas là où je voulais le mettre. Démolir. Ouais, il sert à rien. C'est pas là. Alors. On vire ça, on vire ça. Ils vont enlever quoi là? Ah, c'est la nuit! Il faut que je le mette plus haut là, c'est sur ce tuyau-là qu'il me faut la possibilité de couper l'arrivée. Oh oui, je peux la mettre dans le fond là, c'est pas gênant. D'accord, on va faire comme ça. Ouais, allez, on la met là. On va mettre un tuyau liquide là. Là, et on va couper. Alors ça va merder, je pense. À liquide. On va démolir. Ouais, je sais pas lequel là. Bon, allez. Voilà. Donc on remet à 9. Voilà. Ça, ils ne l'ont pas construit parce qu'il est qu'en 5. Voilà. C'est bon. Ici, c'est bon. Il n'y a plus de mauvaises surprises. Non, ça va. Allez. Voilà. Tout est fait. Voilà. Là, on est sur 10 kilos. Ben, on va laisser comme ça pour l'instant. Mais au moins, ça me permettra de réguler le débit. Très bien. Là-haut. Encore beaucoup d'eau, la pompe je pourrais la mettre plus bas au fur et à mesure que le niveau descend. Au niveau des gaz ici, on a beaucoup d'oxygène pollué, ce qui est embêtant. Je pourrais, pourquoi pas, mettre non, un appareil qui détruit l'oxygène pollué. On a 4 kilos de pression quand même. Alors, il y a peut-être des choses à récupérer ici, des choses intéressantes. Du slime, ça. Ici, ça fait un petit moment que je voulais le récupérer, ça. Voilà. Et on va même creuser, pourquoi pas. 1, 2, 3. Je pense qu'ils peuvent l'atteindre, ça. Oui. Et là, on va ouvrir. Voilà, ça, ils doivent pouvoir l'atteindre. Monter là. Amalgame d'or. Ça, on récupère. Hein. Voilà. Et ça, c'est de la roche sédimentaire. Voilà, on peut creuser comme ça, tout un escalier. Ouais, c'est super. Voilà, ils vont pouvoir récupérer ça. Là, j'ai pas mal de sable. Il faudra que je m'amuse à creuser tout ça également. Pour l'instant, on va laisser faire le truc de roseau là. On va le déraciner. Ouais, il sert à rien. Ok, le niveau d'eau baisse. Sachant que j'en ai encore plein là-haut. Là, ici aussi. Ah ouais, je pourrais creuser tout droit là, même jusqu'ici. Ouais, je vais les laisser creuser ça. Et puis, ça, ils doivent pouvoir l'atteindre. Ça, je sais pas. Non, celui-là, ils pourront pas l'atteindre. Mais celui-là non plus. Bon, on va laisser faire comme ça. Quand ils auront creusé ça, on va creuser tout droit là, de façon à récupérer le maximum
d'eau polluée. Voilà. En quelle est la priorité, c'est tout ça. Un 5, il y a du 5, du 7, il y a n'importe quoi. Hop, voilà. Venez vous concentrer ici, les gars. Ici, j'aimerais bien que tout soit plein de gaz. De gaz naturel, mais c'est pas le cas. La pompe ne marche pas, pourquoi? On est à 2 kg. Ah oui, c'est parce que c'est en suppression de l'autre côté. Bon, on va laisser comme ça. Pourquoi la nourriture se détériore sans arrêt? Oh les gars, on a 219 en nourriture, plein de CO2. Ça, c'est embêtant. Il va peut-être falloir que je mette un air scrubber ici. On a de l'eau polluée qu'on va vite éponger. Je crois qu'il y a de l'eau ici, là. Eau polluée. Je peux pas la... Voilà, de l'eau. On vide. L'eau. On vide. Du coup, les plantes, elles ont un peu crevé. Voilà. On enlève ça. Et j'espère que je l'ai mis à neuf. Allez, les gars, venez nettoyer ça, là, parce que c'est pas top, quoi. Alors, mon souci, ça va être l'eau. Je pourrais peut-être augmenter le débit. Bon, là, je vois que c'est bien. Je pourrais peut-être augmenter ici. Je suis à 5 kg. Allez, on passe à 8, on verra bien. Ouais, vous allez avoir un peu de mal à respirer, je sais. Ouais. Voilà, parce que de l'algue, j'en ai plus beaucoup. 2900 kg. J'ai bien mes deux algues et terrarium là, mais c'est pas top. Il faut que je mette un air scrubber. Le scrubber, ça va demander de l'eau propre. Et ça va, encore une fois, me renvoyer de l'eau polluée. Quitte à ce que je mette un air scrubber et un dépollueur et que je renvoie l'eau. Je la pompe, je la traite. Ouais, ouais, on va faire comme ça. Et au niveau électrique. Là, je suis à combien? 960 watts. Donc, il va me falloir une ligne supplémentaire. Je n'ai pas de ligne supplémentaire. Je pourrais. Si. J'ai cette ligne-là qui ne me sert à rien, en fait. Et cette ligne-là non plus. Mais là, je peux pas mettre de transformateur d'énergie. Alors, comment je vais faire ça, sachant qu'on peut pas passer... Bon, c'est un peu embêtant ça. Ah, qui c'est qui a fait un beau gâchis là? Ouais, d'accord. Ouais, ils ont ouvert. Oula, attention qu'ils ne meurent pas là. Oula, je vois qu'ils ont été un peu prisonniers. Voilà. Allez, vous allez pouvoir passer les gars. Ah, il faut que je remplace ces dalles là, j'y pensais plus là. Démolir, eh oui, tout le hop, tout le méthane, il se barre en bas. Ah, j'avais oublié ça. Dalle grillagée, ouais, allez, démolir, venez le démolir, là. Ils peuvent plus passer, là? Qu'est-ce qu'ils ont, les cocos? Si. Maé. Viens ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? T'arrives plus à sortir? T'as envie d'aller aux toilettes? Allez, bouge. Ouais, tu peux monter là-haut. Allez, vas-y. Voilà. Ah bah. Ah oui, d'accord. C'est pas là qu'il faut aller. C'est là. Move. Allez. Ah, c'est rouge, donc il peut pas. Ouais, viens ici. Là, tu peux. Et là, tu vas pouvoir monter, passer à côté. Ah bah, Devon, il est en train de faire ses besoins dans le pollué. Voilà, allez, va-t'en. Voilà, c'est bien. Ok. Oui, c'est vrai que cette échelle-là ne sert pas à grand-chose. Celle-là non plus, d'ailleurs. Ouais. Bon, ouais, c'est comme ça. Par contre, je creuserai bien là, de façon à... Je vais ralentir un peu la vitesse. Je creuserai bien là, de façon à récupérer cette eau polluée, parce que finalement, on en consomme plein hein, d'eau polluée.
Une voiture détériorée, 224, on va mettre en priorité 7 sur 2. Voilà. Et il y a pas mal d'algues ici, là. Ok. Allez-y, les cocos. Ah, ils n'ont toujours pas détruit ces foutues dalles, là. Allez. 9. Il me faut les remplacer, sinon je suis en train de perdre du gaz, là. Quelqu'un vient? Allô, allô? On est à 63% de stress. Eh oui. Non, personne ne vient. Ils ont tous rien à foutre. Oh, les gars. Ah oui, mais attends. Je suis bête. Ok, on ouvre la porte, là. Ça ira mieux pour passer. Allez. Ah ben non. Toujours pas. Si, non. Ça y est. Ah, personne ne vient encore là. Il faut remplacer absolument ces deux dalles rapidement. Là-bas, il creuse. Voilà, Abbé qui arrive avec son collègue. Allez les gars. Maintenant, tant que vous êtes là, ça serait bien. Hop, qu'on ferme ça. À 9. Voilà. Allez, ça, ils vont le faire comme ça. Ça sera bien. Bon, là, ils peuvent passer. Toutes ces échelles-là, bien sûr, ne servent à rien. Mais c'est la nuit. Je vais pas pouvoir creuser tout ce bloc-là. 1, 2, 3. Moi, je peux mettre des échelles. On va les faire en 6. Là, 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 là. Ouais. Et en 6, on va leur dire de... Je fais n'importe quoi, voilà, de creuser en 6 ici. Voilà. Et après, on s'attaquera au reste. Ça presse pas la minute, hein. La pompe fonctionne. Ici, on n'a toujours pas construit les deux. Voilà, il y va, là. Nourriture détériorée, 207 000 kilocalories. J'ai bien envie de reprendre un nouveau duplicant. Allez, finissez ça. Au moins, ça bouchera bien le passage. On ne sera plus embêté. Encore un. La pompe ne fonctionne pas parce que ça doit être à surpression là-bas. Ah, ça y est. Allez, quelqu'un qui vient là. On est bien à priorité 9, oui. Voilà, Ruby qui arrive. Il a une bonne tête de vainqueur. Ruby, voilà. Allez, c'est bon qu'on arrête de perdre du gaz naturel, là. Voilà, ça y est, enfin. Donc là, on va rebloquer cette porte. De façon à ce qu'il ne vienne plus ici. Et j'espère que tout va se remplir en gaz naturel. On a 3,9 kg de pression. Et là, ça creuse comme ça peut. C'est pas en priorité très, très violente, mais ça suffit. Voilà, c'est bien, ils peuvent passer... La pince là, la pompe fait diminuer un petit peu le niveau du liquide, mais ça va en remettre là. Ok, là on peut les laisser faire. Ils ont de quoi s'occuper. Beaucoup d'oxygène pollué ici, là. Bêtant ça. Et du sable, j'en ai beaucoup. 77 tonnes, ouais, ça va pas changer ça. Par contre, voilà, ici. Là j'ai de l'eau. Ici aussi. Il va falloir que je prenne de l'eau, que je l'amène là, que je la traite et que je la renvoie. Mais il va me falloir une source électrique. Je peux pas faire passer les gros câbles. Est-ce que je vais pouvoir mettre
sur une dalle. Traitement. Non, ça marchera pas. Là, j'ai mes deux batteries. Je vois que les gros câbles peuvent suivre le trajet. Donc on va faire un là. On va mettre des dalles poreuses là et là. Au niveau électrique, on va prendre le gros câble. On va le faire arriver là. Voilà. Et je vais préparer même un pont ici pour pouvoir repartir de façon à alimenter l'air scrubber et compagnie que je vais mettre de l'autre côté là-bas. Voilà. Ok. On va monter la priorité de tout ça. Un 7. Voilà. Ouais. Ok. Je mettrai bien des batteries là quand même. Ouais, et je vais même mettre encore des dalles grillagées là. Un 7. Alors ici, ici. Pourquoi pas jusque là. Ah, il y a une plante là. Des racines. Là, ça, on va démolir. Ça aussi. Voilà. Il va falloir creuser tout ce bazar un peu là. Un 7. Juste de quoi. Ouais, même comme ça. Oui, les spores. Il faut que je mette un appareil là pour les soigner, les pauvres. Là, je peux. Ouais, alors je vais supprimer cette échelle également. Cette échelle là aussi. Et je vais plutôt descendre l'autre. Là, comme ça. Ça y est, c'est le jour. Venez là, les petits gars, on a besoin de vous. Il faut construire ça assez rapidement. Voilà, au moins qu'ils effacent ces échelles de façon à les reconstruire. Là, là. Et la plante déracinée. Ouais, pour qu'il atteigne, il faut qu'il fasse la dalle. D'accord. Donc pour l'instant c'est pas très gênant. Le câble électrique, on va le passer par où? Je vais peut-être le remonter à où est-ce qu'il y a du fil électrique là. D'accord, il y en a un peu de partout. Je vais le passer là, là, là. Il va me falloir peut-être passer là, là, et venir ici. Et ça, parce que ça, il faut que je le fasse sans faute. Il faut que je mette ici le purificateur à eau. Pourquoi il me dit que je peux pas le construire? Ah, d'accord. Parce qu'il y a plein de cochonneries, là. Ah ouais. Il y a des plantes. Alors, ces plantes, elles sont où, là? Elle est derrière, là. Là, c'est les graines. Millwood. En priorité 9, des racines. Il y en a un autre, quelque part. Fleur velue. Des racines. Et c'est tout. Voilà, merci. Un purificateur à eau. Alors, l'eau va rentrer là. D'accord, on va le mettre là. Et on va peut-être même mettre... ça consomme combien, ça? 120 watts. D'accord. C'est une plomberie, je sais plus où c'est, les trucs là. Je cherche... Non,
Non, c'est dans l'oxygène. Voilà, filtre à air. Ça se consomme 120. Oh, ben ça va, je vais en mettre deux même. Ouais, là. Et là. Ok. Il va falloir ramener bien sûr l'électricité et le courant. Alors, au niveau électrique, on peut passer comme ça. Comme ça. Là, on peut faire comme ça. J'espère qu'ils vont pouvoir passer là. Ok. Et là, je vais venir d'ici. Je vais tout creuser là. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, comme ça. Et comme ça. Ouah. Et je devrais plutôt mettre, même pas ça, je devrais mettre deux batteries. Ouais, une là. Et alors je vais rajouter la dalle manquante. La priorité 8. 152, la nourriture a bien baissé. On va tanker la priorité, tout ça. Ok, on va le remettre en 8, tout ça. Allez, faites ça les gars. J'allais mettre 3 batteries, mais non, allez, on va dire 2, ça suffit. On vient alimenter ici. On va passer dessous. Là. Et là. Et bien sûr, je suis en 5. Voilà. On va mettre tout en 8. Voilà. Donc là, au niveau électrique, on est bon. Il va falloir maintenant amener l'eau. Le tuyau liquide. On a une grosse arrivée d'eau ici. On va prendre un 8. Bon, peut-être qu'ils ne pourront pas l'atteindre. Je mettrai un bout d'échelle supplémentaire. Là, ça c'est l'eau propre. Elle va venir ici. On rentre là. On rentre là également. On ressort là. On va dans le purificateur. Et on repart. On repart, on va dire 1, 2, 3, 4, ouais, ils y arriveront. On repart ici, se brancher sur ce tuyau-là. Ouais, ouais, c'est bon. Impec. Voilà. Ça, c'est bon. On est tout presque en 8. Je vais le mettre en 8. Ouais. 8. Voilà. Tous les bouts de tuyaux. 1-8. Là, il y a des choses qu'ils ne pourront pas atteindre, je sais bien. Voilà. Et bon, on va continuer notre dalle poreuse, là. 1-8. De quoi je suis, là? L'amalgame d'or, ouais. Ah, là, ils vont se faire enfermer. Non, c'est bon, il y a l'échelle. Il va falloir creuser un petit peu. Là. Et là, pour qu'ils y arrivent, on va faire comme ça. Comme ça. Ouais, le CO2 va couler ici. S'il n'ouvre pas trop la porte. Ok. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'atteindre, là? Ouais, je sais pas trop. On va mettre une échelle. Ils pourraient passer par l'autre côté, mais ça m'embête. Ouais, on va faire comme ça. Ça doit presque marcher, là. Peut-être encore ça. Voilà. Et tant qu'on est là, il y a du charbon, je vois. Ils peuvent creuser sur deux. Celui-là, ils ne l'auront pas, mais c'est pas grave. Là, ils vont se faire coincer en bas, mais bon, c'est pas très gênant, puisqu'il y a l'échelle qui est ici. Ok, ça fonctionne déjà. Ils remplissent les batteries. Bon.
Là, c'est bien, ils nous ont construit la moitié des tuyaux. Au niveau priorité, on est tout en 8. On est 12 duplicats. La nourriture a bien chuté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 273 graines. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. On a 9 degrés, là. C'est quoi cette blague? On a 9 degrés. Bon, il va falloir prendre des mesures un peu différentes, là. En 7, on va dire de creuser tout ça. À quelle température il est? Il y a moins 4, moins 5, moins 2. Ouais, 0, 1 degré. Ah ouais, c'est embêtant, ça. Fertilisant, ramassez-le. Il n'a rien à faire ici, il y en a encore un bout. Ici, je sais pas pourquoi ils ne le mettent là. Tiens, il y a un Wizard qui a disparu. Ben ça alors. Et en bas, il y a plein d'eau qui a coulé. Ah, parce qu'il y a la bouteille là. Dioxyde de carbone. On le vide. Ah, ils ont creusé. Ah, zut. Bon, je ramasse la graine, elle va me servir. Je peux la mettre dans un pot. Effectivement. Voilà, il ramasse la graine. On va laisser celle-là ici et je vais replanter ici une ferme hydroponique. Un set. On va remettre un bout de tuyau. Plomberie. Un set. Ce sera pour ici. Voilà. On va copier les paramètres. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a à ramasser là? Ah ouais, il y a des choses à ramasser là. Je vais le mettre en 7 également. Toutes les cochonneries là qui traînent, je sais pas où. Allez. Virer tout ça. Hop. Et on va virer également tout ça. Et on va nettoyer. Toujours un 7. Ça. Ok. Bon, il va peut-être falloir fermer cette zone-là avec des wizards à l'intérieur parce que c'est pas top. Moins 3, moins 2, 2 degrés. La nourriture baisse. On a de plus en plus de plantes qui ont un peu chaud. Peut-être falloir faire un système de refroidissement d'air. Bon, là, il dit qu'on n'a pas d'électricité. Ah, donc il y a un bout de tuyau qui n'arrive pas à faire forcément. On est tout en 8. Pourquoi ils n'y vont pas là? Là, c'est accessible. Là, ils auraient pu sauter. Ouais, mais là, ils peuvent pas creuser, d'accord. Bon, il n'y a personne qui peut venir, là. C'est quoi, cette blague? Ils sont tous occupés avec la nourriture, là-bas. Oh, 54 000. Ouais, ça chute à une vitesse, la nourriture. Incroyable. Allez, c'est bien. Distribue l'amalgame d'or. Faites ça. Il faut qu'on finisse. Voilà, c'est bon, ils arrivent. La nourriture détériorée. Bêtant, ça. Et là, ils n'y arriveront pas. Donc ici, on va mettre des petits bouts d'échelle, toujours en 7. Je pense que là, ils peuvent passer. Ouais. Et on va creuser en 7. Ce bazar. Ok, comme il serait là, 50%, hein, quand même. C'est pas rien. Le niveau d'eau polluée est bien remonté. Je peux le gérer avec la valve que j'ai mis là-haut. Ici, là, elle est à fond, là, 10 kg. Ouais, je vais la baisser un peu. Allez, on va mettre 7 kg. Je vois qu'il y a de la cochonnerie ici, là.
Hop, on nettoie. On nettoie dans la base. C'est propre à peu près. Ouais, il n'y a pas d'eau polluée au sol. Ah, il y a une graine de Wizard là. C'est fou ça. Ramasser. Qu'est-ce que je fous là? L'eau diminue. Ben ouais. Elle diminue. Ici, je suis à 8 kilos. Voilà, ils finissent ça. Allez, encore quelques petits bouts de câble là. Et on aura enfin de l'électricité. Allez les gars. Venez finir ça là, vite qu'on traite le CO2 là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Comme ça, je virerai les algues à terrarium qui me consomment de l'algue pour rien. Mais pour pas grand-chose. Quoique ça produit de l'oxygène, je peux le laisser. On verra comment fonctionnent les air scrubbers. Ça y est? Non, pas encore. Allez les gars! Faites les tuyaux en amalgame d'or. Allez, chacun d'un côté. Vous battez pas. Ouais, deux morceaux. Allez, plus qu'un. Ouais, ça y est. Alors, on n'a pas d'électricité. Ah oui, ah oui, bien sûr. Il a manqué légèrement ici, là. Bon, on va passer ça à 9. Venez tous ici, les gars. Il faut qu'on achève ça. Ah, c'est la nuit. Je voudrais au moins terminer là-dessus. Voilà, allez, à 9. On remet un bout d'échelle là. On va vite passer la nuit. On termine ce petit bout de câble. Et on n'en parle plus. Allez, allez. La nuit passe. Le niveau remonte bien ici. Au niveau du CO2, on est comment? C'est bon, on n'est pas en surpression. Là où on doit l'être un peu, bien sûr. Ouais. Mais ça va, on a 1,7 kg de pression. Ça alimente en permanence nos générateurs. Donc ça va très bien. Voilà. Allez, vous allez pouvoir faire tout ça. On est bien à 9 partout. Voilà. Allez-y, les gars. C'est bien, en même temps, ils peuvent utiliser l'eau qui est là. Bon, j'aimerais bien qu'ils soient plus nombreux là à venir bosser là. Il y en a un qui s'est fait masser, on est à 54% de stress, beaucoup de CO2 dans la base. Oh. Il y a de l'eau polluée qui tombe là. Ah, tiens. Allez, on va nettoyer à 8. Ici, je pense que c'est de la condensation. Voilà. Finissez les bouts de câble, c'est le plus important. Allez, 3 morceaux de câble et on a fini. Deux morceaux. Allez les gars, venez finir ça. On va la voir. Ouais. Et voilà. Donc c'est bien. Ils ont pompé l'eau polluée ici. J'espère que ça va pas trop chauffer, on est à 26 degrés là, non, ça va. Pourquoi il y en a deux qui ne marchent pas? Pas trompé dans les tuyaux. C'est liquide. Ça, c'est la sortie. Ah ouais, il faut qu'il livre du sable, bien entendu. Hop, un 7 là, les gars. Merci. Voilà, comme ça, on renvoie de l'eau propre. Ça y est, bon, tout fonctionne.
on renvoie de l'eau propre dans notre citerne là, on en a bien besoin. Super. Le fait de la faire tomber de haut, ça la refroidit. On est à 34 degrés quand même. C'est fort. Beaucoup de plantes ont chaud. Ah ouais, presque 10 degrés. Non, mais c'est quoi cette blague? Il va falloir que je ramène un câble électrique et que je fasse la climatisation. Au préalable, il me faudra fermer tout ça avec des dalles isolées. Ouais, bon, on a encore du boulot, hein. Bon, mais là, au moins, ce qui m'intéresse, c'est que le CO2 va diminuer très, très fortement. Ça, c'est très bien. Je prends pas de nouveau duplicat parce qu'au niveau nourriture, on est un peu juste. Et ça serait bien de le ramasser rapidos, avant que ça pourrisse. Les frigos, ils ont l'air d'être vides. C'est assez étonnant. Ouais, tous les frigos sont vides. Il met dans la boîte ici. Mais la boîte, on la veut pas ici, là. Non, je la mets en 4. Stocker dans les frigos, ça tiendra au frais. Ça évitera que ça pourrisse. Ici. Hop, hop. Ramasser la nourriture, là. Allez, ça va remonter, c'est bien. Ce CO2-là, j'aurais bien envie de mettre une pompe pour l'enlever. La base, il va me falloir la fermer un jour ou l'autre, hein, parce que là, c'est pas possible, quoi. On ramasse toute la merde du haut. Tout l'oxygène pollué. Là-haut, ça nous dit quoi? On a toujours de l'eau. Là, ils ont dû creuser. Ouais, c'est bien. Il y a encore une zone de froid ici. Ça permet d'explorer. Là-haut, ils n'ont pas été plus loin pour l'instant. Parce qu'ils ont pas mal de choses à faire. Hein. Ok. Ça n'a pas été fait non plus. C'est en quelle priorité? 1-6. Ça veut dire quoi? Qu'ils peuvent pas l'atteindre? Si, quand même, il devrait pouvoir, là. Je vais leur remettre une échelle là, mais normalement, il n'y a pas besoin, quoi. Planteur. Pousse de roseau. Des racines. Voilà. Et là, ils vont pouvoir atteindre tout ça. Priorité 6. Allez, on va le faire en 7. Voilà. Ça permettra de récupérer des ressources. Ici, on a toujours de l'oxygène pollué. On a 5,5 kg de pression. Alors, faudrait pas que ça casse mes dalles isolées. Au besoin, il faudra peut-être les doubler. Pour l'instant, je vois pas de fissures, donc ça a l'air d'aller. Ok. J'aimerais bien que tout ça soit plein de méthane. Mais là, il y a trop de pression à l'extérieur, 4,8 kg. Et là, à l'intérieur, on est à 4,4 kg. Ouais, donc, j'ouvre la porte. Au contraire, c'est l'oxygène pollué qui va rentrer plutôt que sortir. Donc, ça va pas. Lui, il faudrait qu'il pompe un peu plus. Bon, mais ça va. On va pas se plaindre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font là? Allez, les artistes, allez-y. Nourriture détériorée encore. Pénible ça. Ici, on a tous nos trucs de stockage qui sont quasiment complets. De l'hydrogène là, qui ne sert pas à grand chose. Alors peut-être qu'il va falloir un jour commencer à faire de la génération d'oxygène, parce que c'est un peu pollué tout ça. Ok. C'est la nuit, reposez-vous, notre cycle 161. On a un lit disponible. Le duplicat, je ne vais pas le prendre encore. On va voir ici, au niveau justement du niveau de l'eau. Ça va. On arrive à gérer l'ensemble. Ça marche plutôt bien. On a pas mal d'électricité à disposition. Je pourrais même rajouter encore un quatrième appareil en bas. Pourquoi pas. Au niveau électrique, c'est un peu le bazar. Ouais. Le gros câble, je pourrais le faire passer là pour un éventuel autre appareil avec un autre transformateur. Là, ça fonctionne bien, le purificateur à eau. Au niveau des débits, je vois que tout marche plein pot. Ouais. Ça va.
Et là, ben, c'est au rythme, je pense, de l'arrivée de sable. Ouais, ça va. Pourquoi il y a un coup il marche pas les trucs là? Pourquoi il marche pas? Au niveau électrique, on doit être plus que bon là. Oui, on consomme à peine 360 watts, hein. Ouais, c'est ça, 3 fois 120 watts. Donc ça devrait fonctionner, je sais pas pourquoi ils sont pas contents. Et le niveau de CO2 va baisser. Les algues produisent de l'oxygène. Il va falloir que je fasse une production. Ah oui, mais j'ai mes algues à échelle là. Mais pourquoi ils ne marchent pas eux? En attente de livraison de matériaux. Et lui aussi, et en plus, la pression, non, c'est bon. Non, ils n'ont pas été livrés en algues en fait. Et l'algue, il m'en reste 3131 kilos. Bon, on va pas trop les perturber, on le laisse comme ça. On en reste là pour cet épisode. Et prochain coup, il va falloir peut-être s'occuper plus correctement de la serre ici pour la réfrigérer comme il faut parce que là, la récolte est pas top. Je vois qu'ils n'ont rien replanté. On est à quelle priorité? 5. Allez, on va tout mettre. La nourriture, 1, 6. Ouais. Voilà. Ici, on a quelle température? Moins 16, moins 14. C'est bon ça. Ah, mais si je fais passer l'eau chaude, c'est sûr que c'est pas top. Il fallait juste que je refroidisse l'eau. Pour refroidir l'eau, c'est assez embêtant. Ok, on verra ça plus tard. Allez, portez-vous bien les amis. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de notre Golden Nugget, qui finalement va pas si mal que ça. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.